Madame Céline Destouches. Oui. Bonjour, police judiciaire, vous êtes placée en garde à vue. Pardon ? Venez, madame. C'est une plaisanterie ? Non, c'est pas une plaisanterie. Qu'est-ce qui se passe ? On va vous expliquer tout ça au commissariat. Votre appartement est sous perquisition. Quoi ? Quoi ? Mais... C'est bon, allez-y. Ils sont où ? Je comprends pas de quoi vous me parlez. Ton complice, c'est qui ? Allez, là, je veux un nom ! C'est qui ? Mais mon complice de quoi ? C'est qui ? C'est un cauchemar, c'est pas possible. Ils sont où ? Ils sont où ? Mais qu'est-ce que je fais là ? Mais qu'est-ce que je fais là ? Pourquoi je suis là ? Pourquoi je suis là ? Ils sont où ? Mais dites pas pourquoi je suis là. Vous les reconnaissez ? Oui. Enfin, il y en a, je suis pas sûre. Vous n'êtes pas sûre ? C'est... J'ai passé une nuit ou deux avec eux, peut-être. Je les ai rencontrés sur une appli. Je pourrais même pas vous dire quand. Martin Errant. Assassiné à Montpellier il y a un mois. Patrice Legui, étranglé à Avignon quelques semaines plus tôt. Alexandre Lévy et Evan Cresson, tous les deux ont disparu. Alors, le rapport, Madame Destouches, c'est que vous avez eu une relation avec ces quatre hommes. Deux sont morts, et les deux autres ont disparu. Voilà. Alex, il est où ? Il est où, Alex ? J'en sais rien. Il est où, Alex ? J'en sais rien. Je n'en sais rien. Il est venu chez moi. Il est venu chez moi hier soir, mais il est reparti tout de suite. Il m'a dit qu'il allait faire des courses et qu'il revenait, mais il n'est pas revenu. Mmh. C'est toi qui tues. C'est toi qui tues. Non. Hein ? C'est toi qui tues ? Ou c'est ton complice ? Quel complice ? Madame Destouches, on sait très bien que vous avez un complice. Dites-nous qui c'est. Je vous jure que j'ai tué personne. Je sais pas où est Alex. Je l'ai appelé, je suis tombée sur son répondeur. Vous pouvez vérifier, j'ai laissé des messages, vous pouvez vérifier. Écoutez, ça suffit maintenant, arrêtez de nous raconter des conneries. Je sais pas où il est. Je vous jure que je... Alors c'est ton complice ? Mais quel complice, putain ! J'ai pas de complice ! Une seconde, pardon, il faut que je prenne ça. Oui, allô, maître Grasset ? Bonjour Muriel, je viens d'avoir l'administration pénitentiaire au téléphone. Qu'est-ce qui se passe ? Ah non, non, rien du tout, vous inquiétez pas. C'est juste que l'heure de la sortie d'Eliott a été légèrement anticipée. Ce sera midi au lieu de 14h. Midi. Super, moi je serai là. Voilà, c'est tout. Je vous dérange pas plus longtemps. Au revoir, Muriel. Merci, maître. Alors ça y est, c'est... le grand jour. Oui. Eliott sera à midi. J'avais posé mon après-midi, mais je vais devoir partir un peu plus tôt. Ça te dérange si on finit ça demain ? Non. Non, non, ça me dérange pas. Ah, merci. Ah bah, de rien. À demain. Ouais. Quand
Quand est-ce que vous êtes parti camper pour faire du canoë avec ton père? J'étais où, moi? Chez papy et mamie. Mais du coup, c'est comme ça qu'on s'est retrouvés tous les deux et qu'il m'a emmené faire du canoë dans le Verdon. Ah bah oui, je me souviens. Tu m'avais téléphoné, t'étais dégoûtée, tu voulais pas y aller. C'était les vacances, je voulais rester avec mes potes, moi. Comme d'habitude, il m'a pas laissé le choix. Et alors? C'est passé comment, finalement? La première journée, j'ai fait la gueule, hein. Franchement, pagayé pour aller se cailler sous un duvet dans un coin paumé et en plus sans réseau. Ouais, ça a dû être dur pour toi. Et après? En vrai, c'était assez cool. Je l'ai pas dit tout de suite, hein. Tu savais que papa était hyper calé en astronomie, toi? Bah oui. Il connaît toutes les constellations. Je suis sûre qu'il t'a raconté des histoires de pulsars. Grave. Et aussi de rayonnement cosmique. C'était ouf. Vraiment, j'ai adoré. Sauf le retour. On a failli pas revenir. Ah bon? En fait, papa voulait aller faire des courses. Et là, il sort une carte toute pourrie et on commence à marcher 2 heures sous le cagnard pour finalement se perdre. Mais comment vous avez retrouvé votre chemin? On a fini par tomber sur une rivière. Et moi, je crevais de chaud. Je me suis baigné. Sauf qu'en remontant, papa voit un mouton mort dans l'eau. Et là, il me hurle de sortir. Bah évidemment, mais c'est hyper dangereux. Bah justement. C'est pour ça que dès qu'il a eu du réseau, il a appelé de l'aide. Et là, on part à l'hosto. J'ai fait je sais pas combien d'examens pour voir si j'avais pas la lèpre ou je sais trop quelle autre connerie. Et on est rentré très vite à la maison. Non, mais attends. Pourquoi vous m'avez jamais raconté cette histoire? Bah... Papa se sentait un peu merdeux de m'avoir emmené dans ce faux plan-là. Et il m'a fait promettre de rien me dire. Chose que j'ai faite jusqu'à aujourd'hui. Parce que je suis sûr qu'aujourd'hui, il m'en voudra pas. Patron? Oui. Alors, elle a parlé des touches? Non, elle a pas parlé. Elle répète tout le temps la même chose. C'est pas elle, elle y est pour rien. Oh, bon, on est d'accord que c'est pas possible. Ah bah moi je me dis que ça commence à être possible, oui. Enfin, on a retrouvé la voiture de Lévi garée juste en bas de chez elle. Je sais. Oui, et son téléphone a borné au même endroit. Mais on n'a retrouvé aucune trace de lutte ou de sang dans son appartement. Bon, alors, c'est quoi votre hypothèse? Alors, Hugo a émis l'hypothèse que l'une des suspectes avait servi d'appât. Voilà. Sans le savoir. Quelqu'un s'en prendrait aux hommes qu'elle rencontre sans qu'elle le sache? C'est possible et ça expliquerait beaucoup de choses. Bon, il faut continuer à l'interroger, hein. Bien sûr. Patron, oui. On a fini la perquisition des touches. Et alors? Je pense qu'on tient un truc.
Vous pouvez me dire pourquoi on a trouvé ça chez vous? C'est un groupe que j'aime bien. Et ça, c'était dans votre biblio. En souvenir de cette nuit inoubliable. C'était quoi, un coup d'un soir, un truc un peu plus sérieux? Un coup d'un soir, heureusement. Pourquoi heureusement? C'est un type que j'ai rencontré sur l'appli il y a quelques mois, c'est lui qui m'a offert ce bouquin. Qui l'a dédicacé? Lui. Pourquoi heureusement? Parce que c'était rien, quoi. Je sais même pas pourquoi je l'ai gardé. On s'est vu dans un bar, on a sympathisé, on a passé la nuit ensemble, voilà, rien d'extraordinaire. Je l'ai revu, en fait, après, je l'ai trouvé bizarre. Bizarre comment? Il se comportait comme si on avait toujours été en couple. Il anticipait tout ce que je faisais. Il me disait que j'étais la femme de sa vie. Bon, voilà, j'ai coupé court. Comment il a pris ça? Je sais pas. Il a pas arrêté d'appeler, mais j'ai jamais décroché. Puis j'ai bloqué son numéro. Vous vous souvenez de la date de votre premier rendez-vous? Non, là, franchement, je sais pas. C'était pas le 23 par hasard? Oui, peut-être, d'où le bouquin, j'imagine. Peut-être, je sais pas. Comment il s'appelle, ce type? Attention. J'attends. Oui, attends. 1, 2 et 3. Surprise. Mec, s'il te plaît. Mais grave, putain, elle est ouf. Électrique, spacieuse, silencieuse. Mon pote, tu vas être le VTC le plus demandé de Montpellier. Elle est incroyable, gros. N'est-ce pas? Mais je comprends pas, je pensais que ce que je t'avais demandé était introuvable. Bah, il a assuré ton pote. Je t'embrasse. Toujours là, hein. Je sais pas comment te remercier, gros. Vraiment. Et bah, vas-y, raconte, tu l'as eu comment? Bon, on va peut-être pas parler de voiture toute la journée. On va fêter ta libération. Allez. D'accord. Je suis trop content, mec, je sais pas comment te remercier, gros. C'est incroyable. J'ai regardé des annonces partout. Bon alors, ça fait quoi d'être enfin libre? Ah bah c'est le pur kiff, mec. Franchement, vous avoir tous avec moi, ça me fait un bien fou, vraiment. Bon, et mon cadeau alors, hein? Le petit voyage en amoureux, vous partez quand? Bah pas tout de suite, figure-toi. Pourquoi? Elliot veut bosser. Même si je pense que c'est un peu un prétexte. Il a envie de jouer avec sa nouvelle voiture. Oui, je vais jouer de l'utile et l'agréable, ça c'est clair. Tu la conduiras plus tard, ta voiture, là. Partez, ne serait-ce que quelques jours, ça vous fera du bien. Non, mais je suis pas dans ce mood, là, man. J'ai un projet professionnel, tu vois, j'ai le matos. Je vais me lancer à fond tout de suite. Et surtout, je veux vous offrir le meilleur à toi et à Thomas. Et ça, le plus vite possible. Le meilleur, on l'a déjà. C'était que tu sortes. Tu préfères qu'on parte? Je veux qu'on fasse comme tu veux. Tout me va. On verra plus tard, pour ce petit voyage. Tu m'en veux pas trop? Non, au contraire. Je suis fière de toi. Allez, viens, on va boire un verre. Alors, ça va, c'est bon, t'es pas obligé. Ben oui, je sais que je suis pas obligé, mais j'ai envie. On y va. C'est bon, j'ai Sylvain Perret, 18, route de Montferrier, à Montbard-sur-Lez. C'est juste à côté de la forêt. C'est parti. Patron, c'est bon, on a logé le type. Allez, c'est parti, on y va. Gilet pare-balles, on s'équipe. Allez, go, c'est parti. Je suis allée voir maman à la clinique aujourd'hui. Ah ben, comment? Beaucoup mieux. Le traitement fonctionne. C'est bien, ça. Ouais. Et lui donne quoi? Anxiolytique, antidépresseur. Classique, quoi. Eh ben. Cache ta joie. Bah, tu trouves qu'il y a quoi se réjouir, là, peut-être? Qu'est-ce que t'as, Boris? Muriel. Pour changer. Eh ben, fallait pas me demander. Mais je t'ai dit plein de fois que cette meuf, elle était pas pour toi. Vous avez couché ensemble une fois et elle t'a largué juste après, c'est clair, non? Bah non. Non, c'est tout sauf clair, justement.
C'était super fort entre nous. Je sais ce qu'elle ressent, vraiment. Ouais, des regrets. Ouais, mais... Tu vois, je sais qu'elle pense encore à moi. Je le sais. Ouais, il s'est endormi tout de suite, hein. C'est la chance des débutants. Ouais. C'est la première fois que je couche mon fils. C'est fou. Ça va? Ouais. Ça fait tellement longtemps que j'attends ça, et là, je... Moi aussi, j'ai du mal à réaliser, je... Mais ça y est, c'est la fin de ce cauchemar. Tu vas enfin pouvoir m'occuper de vous, tu vas pouvoir décompresser, te reposer. J'en ai besoin. Je suis heureuse que tu sois là. Détachez-vous. Où est-ce qu'on va? T'inquiète pas, tu vas le savoir. Allez. Écoutez, je suis flic, d'accord? Mes collègues, ils sont pas cons. Ils vont m'en trouver. Là, vous êtes foutus, il faut arrêter là maintenant. Comme t'es flic, menotte-le. Et ferme ta gueule. Ok. On va sortir, vous allez passer devant, d'accord? Ouais. S'il y en a un qui fait le con, je fume les deux, c'est compris? Oui, oui. Arrêtez-vous là. Allez, mettez-vous à genoux. Allez, mettez-vous à genoux. À genoux. Ok. Vous
arrive trop tard. Putain, fais chier, putain, fais chier. C'est votre petit rituel, c'est ça? C'est à cause de Céline? Hein? Ça te fait quoi de baiser la femme d'un autre? Espèce d'enfoiré. Mais Céline, c'est votre femme? Comment on aurait pu savoir? Attendez! Attendez!